Quelle analyse faites-vous de cette explication entre Jaou et Ouadibou? Bah écoutez, je pense que bon, sur l'ensemble du match, le résultat nul, je dirais, est logique, même si dans le football, à un moment donné, quand tu mènes 1-0, tu as l'occasion de faire le break, tu ne le fais pas. Mais bon, je pense que l'Auto n'a pas lâché le morceau, ils ont été jusqu'au bout de leurs intentions et ils ont fait une très belle deuxième mi-temps. Comment est-ce que justement vous avez trouvé cette équipe de ZAE? Ben on sent entre les deux, naturellement, l'équipe de nos Mauritaniennes de l'expérience de la Champions League. Je pense que l'Auto en première mi-temps était un peu crispé. Et c'est pour ça qu'ils en ont profité pour ouvrir le score. Par contre, en deuxième mi-temps, ils se sont libérés. Il y a une équipe, on a senti qu'une équipe voulait se contenter du 1-0. Le Loto voulait absolument revenir au score. Pourquoi pas faire la différence? Je pense qu'ils ont été récompensés sur les actions qu'ils ont faites en deuxième mi-temps. Sur quoi travailler pour la manche retour, pour Loto, pour aller, pourquoi pas essayer d'aller faire le hold-up du côté de Noachos? Je dirais qu'il faudra être naturellement très, très appliqué, très sérieux, régulier aussi défensivement. Je pense qu'il faudra corriger certaines situations défensives parce que l'adversaire va en profiter. Et puis après, jouer en contre. Je pense qu'ils ont la possibilité, puisque le but à l'extérieur ne compte plus maintenant. Un match nul est toujours possible à l'extérieur, naturellement. Je pense que ça pourrait peut-être se jouer au pénalty. Merci beaucoup, coach.